ne font pas de cadeau au championnat de France. Alors, Rognan est toujours en tête avant le passage de Sébastien Darrigade. Ils ne font pas de cadeau, mais ils notent ce qu'ils voient et ils ont bien raison. Regardez, petite touche, c'est difficile. Attention, surtout ce passage avec les mains de chaque côté des arçons. Voilà, combinaison de boucles, Thomas. Il a repris le rythme, il a relancé l'exercice. C'est très bien. Une attention, il a dépensé peut-être un petit peu trop d'énergie sur le début de son mouvement et il n'a pas tenu, malheureusement. Et il faut dire que c'est très, très difficile pour eux, cette reprise. Sébastien Darrigade, dont on peut le préciser, mais tout le monde le sait, qui a participé aux Jeux Olympiques avec brio et qui s'est un petit peu reposé, comme tous ses camarades, après cette compétition, et là qui revient au championnat de France, peut-être pas tout à fait à son meilleur niveau, mais c'est normal en cette période de novembre. En tout cas, très très volontaire et très très engagé, Sébastien a tenu à être présent partout cet après-midi sur les finales. Voilà, il termine la finale avec une valse complète à l'équilibre. Bien, bravo Sébastien, malgré cette petite chute. Gymnaste extrêmement méritant. Regardez l'amplitude, la ligne de pointe. Sébastien, toujours très élégant. On dit de lui que c'est le plus beau styliste du monde. Il le sait et il le met fortement à profit dans toutes ses combinaisons et ses exercices.